Donc, nous sommes là. Alors, Pierre Fourniaud, éditeur, fondateur de la manufacture. Oui. Représentant et coursier de la manufacture de livres. Et donc, vient nous parler de son titre de la rentrée littéraire. Alors, voilà, la manufacture de livres, on a choisi cette année de ne faire qu'un livre de rentrée. Donc, bon, on espère un peu que ça va plaire à certains d'entre vous, je dois bien vous l'avouer. Tiphaine Le Gall, alors c'est une autrice que vous avez, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom et que vous avez peut-être déjà vendu, puisqu'elle a publié son premier roman aux éditions de L'Arbre Vengeur en 2020, qui était un livre assez incroyable, que je vous recommande. Quand vous aurez fini de lire toute la rentrée littéraire 2022, si vous voulez revenir à celle de 2020, ça valait vraiment le coup. C'était un livre qui s'appelait Une ombre qui marche, qui était un texte, une entrée en littérature dingue, puisqu'elle avait choisi de faire un hommage à Éric Chevillard. Et donc, son premier livre, c'était une fausse thèse de littérature qui analysait un livre qui serait composé exclusivement de pages blanches. Donc, en fait, en premier roman, elle avait eu cette démarche qui était complètement ambitieuse, voire suicidaire, de faire un livre sur le vide et d'analyser le vide en littérature. Donc c'est assez vertigineux, ça marche super bien, c'est très drôle et donc voilà. Mais on a la grande chance de l'avoir avec nous pour son deuxième livre, qui est un texte beaucoup plus intime et personnel, Le principe de réalité ouzbek, qu'on est très fiers de vous présenter aujourd'hui. Alors comme Marianne vous l'a dit, on est une toute petite maison et j'ai la grande joie et le grand plaisir de réceptionner les manuscrits, que ce soit sous forme d'envoi postal ou de mail. Et donc, c'est vraiment le plaisir de base de l'éditeur. Et j'ai donc reçu un mail qui s'appelait « Le principe de réalité ouzbek ». Je me souviens, je crois que tu étais là. Il y avait aussi Flora, notre attachée de presse, qui est au fond. Je dis « Ouh, un titre comme ça, je sens que ça me plaît ». Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et on est attiré parfois par les courriers de présentation comme ça, les mails des auteurs. Je me souviens, la dernière fois, c'était Laurent Petit-Mangin qui avait dit « Excusez-moi, ce livre n'est certainement pas pour vous, donc forcément, ça donne très envie de l'ouvrir. » Et là, le mot Ouzbékistan, enfin l'Ouzbékistan, une destination, un vague pays, on sait à peu près où c'est, peu de gens y ont été. Il y a cette notion un peu d'ailleurs, un pays qu'on ne connaît pas mais qu'on devine. Et donc, je commence la première page, et je vois que c'est un livre épistolaire, enfin une lettre, « Chère madame ». Et je me dis, tiens, étonnant, je commence un peu les premières lignes, ben, on vous a amené le livre tout à l'heure, vous pourrez regarder tout à l'heure. Ça commence de manière un peu cocasse, je me suis dit, tiens, un ouvrage à la Fab Caro, quelque chose d'assez déroutant, d'assez ironique. Et puis, petit à petit, il y a une progression très lumineuse, très bouleversante, émouvante. Et bien, en fait, j'ai été complètement embarqué. J'ai oublié que j'étais éditeur. Alors, ça arrive de temps en temps. Et généralement, c'est signe qu'on adore le livre. Et j'ai été embarqué comme ça jusqu'à la fin du livre. Alors, Marianne me surveille avec une grande inquiétude parce que j'ai le grand défaut d'en dire trop. Tellement j'ai envie de vous donner envie de lire ce livre. Donc, je m'arrête tout de suite. Je vais juste vous dire de quoi il s'agit. En fait, c'est une professeure de lettres qui vit à Brest, qui a postulé au lycée français de Tachkent et qui a reçu un refus de la proviseure. Et donc, elle répond à ce refus de manière très polie et très circonstanciée par un autre refus. Et elle explique à cette proviseure qu'il faut impérativement qu'elle parte à la prochaine rentrée en Ouzbékistan. Et elle explique pourquoi. Et donc, c'est un livre qui va parler à la fois d'amour, d'envie d'ailleurs, d'envie d'une autre vie. Et on va partager le destin de cette jeune femme à travers ce roman assez court, mais d'une force vraiment saisissante. Oui. Donc un livre qui est composé de 7 lettres, une unique lettre qui explique pourquoi elle sera là à la rentrée scolaire prochaine à Tachkent. Et le principe de réalité ouzbek, pour moi, c'est un roman qui nous... C'est un formidable roman d'amour. Alors, non pas parce qu'il va nous raconter une histoire d'amour exceptionnelle, mais parce qu'il parle de ce qu'est le sentiment amoureux, que ce soit l'amour-passion, que ce soit l'amour conjugal, que ce soit l'amour maternel. Elle le fait avec énormément d'intelligence. Et c'est le genre de livre qu'on lit en se disant « Mais bon sang, c'est bien sûr !» Voilà ce qu'elle met des mots sur des choses qu'on peut penser. Et puis, c'est une professeure de lettres, son personnage principal, et donc c'est quelqu'un qui lit énormément, donc qui va nous parler aussi de ce que c'est
de l'image de l'amour qu'on lit. Et ce qu'elle glisse entre les lignes, c'est l'idée que peut-être, quand on est un grand lecteur, qu'on a vécu comme ça avec ses héroïnes, alors elle nous parle d'Aragon, elle nous parle de l'éducation sentimentale, mais on peut penser à Anna Karénine, on peut penser à Madame Bovary. Bah, finalement, quand on a cet imaginaire en tête, peut-être qu'on a au fond de nous ce besoin de vivre des choses intenses. Et que finalement, en étant lecteur, on a ce désir d'avoir une vie romanesque et jusqu'où ça peut conduire de peut-être jusqu'à partir en Ouzbékistan. Voilà, donc c'est aussi un livre sur l'amour de la littérature, l'amour de l'écriture, puisque ce personnage donc écrit. Et c'est un livre extrêmement profond et bouleversant, comme Pierre vous le disait. Oui, je suis vraiment très fier. Alors, je suis très angoissé, parce que c'est la période de la rentrée littéraire, et quand on pense au nombre de titres qui sortent, on a pris une sorte de vertige. Mais je suis à la fois très angoissé et très, très apaisé, parce que je suis très fier de ce livre. Je l'adore. Alors juste un petit indice, et on a retravaillé évidemment avec l'autrice plusieurs fois, on relit, et à chaque fois j'ai pris, je vous assure que c'est vrai, énormément de plaisir à le relire, et je sais que c'est un livre qui va rester très longtemps, enfin en tout cas pour moi. Vous l'avez compris, on a le livre avec nous, donc on vous en laissera des exemplaires à la sortie que vous pourrez emporter. Et que vous dire de... Ah oui, petite nouveauté, on a enregistré avec la Manufacture de Lire des livres audio de ces livres, ce qui veut dire que si... vous passez l'été dans votre voiture et vous avez envie d'écouter la rentrée littéraire de la Manufacture de Lille, ce sera possible. On pourra mettre à votre disposition des services de presse audio pour deux titres, donc Le principe de réalité ouzbek et un polar qu'on sortira plus tard en septembre, qui est un titre de Benoît Sévrac, Le tableau du peintre juif. Donc pour les recevoir, il suffit de m'envoyer un mail, vous avez mes coordonnées dans le petit fascicule. Et voilà, pour la Manufacture de Lille, on vous remercie. Merci.